Le but, c'est vraiment qu'il y ait de l'intergénérationnel. Donc les parents viennent avec leurs enfants, avec les grands-parents. Le dernier stage qu'on a fait, ça allait de 4 ans et demi à 70 ans. Donc essayer de démocratiser ça, de faire en sorte qu'ils soient à l'aise, de venir se lâcher, de venir danser et faire du sport, c'est vraiment l'objectif. On est la Bec Life et on a été récompensé par le concours tremplin jeune de la Fédération Française Sport pour tous. À la base, c'était vraiment un club qui avait pour esprit de rassembler un maximum de personnes. On faisait déjà du sport en plein air, un peu comme ça. On a décidé de structurer, de passer notre diplôme avec la Fédé Sport pour tous. On a créé cette association, la Bec Life, et qui compte aujourd'hui, après 2 ans, 110 adhérents. L'activité qu'on a fait aujourd'hui, c'est de l'afro-vibe. C'est de la danse africaine qui travaille le cardio et aussi c'est pour s'amuser. Je viens danser parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. La musique, la danse, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, surtout quand je le fais avec mon père. Donc avoir plus de jeunes, il faut savoir les attirer. Si on regarde un petit peu les réseaux, il y a beaucoup de chorégraphies qui sont faites par les jeunes. C'est vraiment un concept qui a les mêmes valeurs que la Fédé, c'est-à-dire de rassembler. La phrase, c'est vraiment « everybody can vibe ». Donc ça rassemble, ça fait passer un bon moment et en même temps, ça fait bouger. Donc pour moi, c'est tout ce que je cherche.